Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des Visionnautes que nous avons appelée Le Fil bleu. Alors pourquoi le Fil bleu Alors d'abord bleu c'est la couleur des Visionnautes et euh, d'autre part aujourd'hui on va commencer à tirer un fil dont on ne sait pas encore euh, où il va nous mener. Euh, C'est-à-dire que le principe de cette émission c'est qu'à chaque épisode on va inviter quelqu'un qui va choisir qui va être le prochain ou la prochaine invitée euh, de l'émission. Euh, juste avant de vous présenter notre premier invité, euh, j'aimerais juste remercier euh, l'association IDEO qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux euh, de Lausanne. Euh, l'association IDEO, ils font plein de projets euh, autour de l'eau, euh, ils font plein de projets magnifiques, et notamment autour de, du Rhône. Donc, euh, allez voir euh, leur site, on va vous le mettre en, en description. Donc, Constance, euh, merci d'avoir accepté de participer à cette première émission. Euh, tu es la coordinatrice de la Chambre de l'économie sociale et solidaire du canton de Vaud, à Prévost, depuis un peu plus d'une année. Euh, je te laisse te, te présenter plus oui. en détail. Euh, bah, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être la première invitée de cette émission. Donc, je suis effectivement coordinatrice de la Chambre à prévôt depuis un an et quelques mois. Donc, auparavant, alors je travaillais dans L'enseignement supérieur à la recherche, j'ai fait une thèse en économie, donc j'ai soutenu en 2019. Et c'est vrai que quand j'ai soutenu, je ne me voyais pas travailler dans l'enseignement supérieur à la recherche, bon, pour diverses raisons. Et du coup, j'ai vraiment essayé de, de chercher ce qui m'animait, ce qui me motivait. Et c'est là que j'ai vu que les valeurs de l'économie sociale et solidaire me correspondaient. Je suis allée travailler dans l'économie sociale et solidaire et puis la chambre de l'ESS à Prévost cherchait une coordinatrice. Et donc euh, voilà, voilà pourquoi je suis là. Est-ce que ta thèse était déjà en lien avec, euh, avec ce domaine Alors ou... non, euh, j'étais dans un laboratoire de recherche qui faisait des recherches sur l'économie sociale et solidaire, mais moi ma thèse c'était en histoire de la pensée économique et monétaire. Donc bon, j'ai étudié les débats monétaires américains fin 19e, début 20e. Okay. Voilà, c'était super intéressant. Mais, euh, mais voilà, j'avais besoin aussi d'être plus dans le concret, dans l'action. Dans euh, après avoir réfléchi pendant plusieurs années euh, sur un sujet et puis avoir appris aussi à, à prendre du recul sur certaines choses, euh, là, c'était le moment pour moi d'agir et d'agir du coup pour un monde qui me correspondait mieux et plus juste. Et dans quel domaine euh, est-ce que, es est que tu as travaillé avant d'être coordinatrice Dans quel domaine de l'ESS est-ce que tu as travaillé ou tu t'es engagée à, avant euh, bah Avant, en fait, entre ma thèse et mon travail à l'ESS, bon, je suis partie en voyage. Et puis après, je me suis engagée dans les monnaies locales complémentaires en tant que bénévole. Donc, je suis coprésidente de Monnaie Léman, mmh. qui est la monnaie complémentaire du bassin lémanique. Mmh. Et je suis engagée aussi dans la Fédération française nationale des monnaies locales. Mais sinon, je n'avais pas vraiment travaillé dans l'ESS à proprement parler. Bon, c'était déjà un premier, euh, ouais. une première expérience hyper intéressante. On pourra d'ailleurs peut-être en parler. Bah, alors, d'abord, il bon, y a peut-être des gens qui nous regardent qui savent qu'est-ce que c'est l'ESS. Il y en a peut-être qui ne savent pas. Donc, qu'est-ce que c'est qu -ce e que l'ESS, économie sociale et solidaire Alors, euh, l'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui est plus inclusive et plus écologique. C'est vraiment une économie où les organisations, le réseau d'organisations vont plutôt que maximiser leurs profits ou faire des actions pour euh, avoir plus de profits, elles vont avoir comme mission des missions sociales ou environnementales. Par exemple, en mettant en place aussi la lucrativité limitée, c'est-à-dire que les bénéfices sont réinvestis dans l'activité pour son maintien et son développement, et aussi la gouvernance partagée, c'est-à-dire que les décisions prises dans l'entreprise euh, vont être prises en concertation avec toutes les parties prenantes. Toutes ces organisations, elles sont de structures euh, juridiques diverses, ça peut être des associations, des coopératives, des SA, des SARL, des fondations, et de tous les secteurs d'activité. On a beaucoup de membres dans l'informatique, par exemple, dans l'habitat, il y a l'alimentation, la communication. Ensuite, c'est une économie aussi dans laquelle les institutions publiques peuvent aussi co-construire les politiques publiques avec les citoyens et les citoyennes pour répondre aux, beso aux besoins locaux et créer des, des emplois sur le territoire qui sont non dé délocalisables. Et enfin, je dirais que c'est une économie qui, qui permet à chaque citoyen et citoyenne d'avoir une vie digne et juste tout en respectant les limites planétaires. Et la Chambre aujourd'hui, elle, elle compte combien de, de membres Alors aujourd'hui, on a une centaine de membres. Mmh. Euh, majoritairement en région lausannoise, mais on se développe quand même sur Nyon et puis euh, on a des projets aussi pour aller sur Vevey, Verdon. On sait que um, on a beaucoup de travail à faire en termes de visibilité justement pour expliquer ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. C'est vrai que c'est pas très connu euh, sur le canton de Vaud, mais euh, on voit quand même que de plus en plus d'entrepreneurs et de porteurs de projets souhaitent euh, créer des projets qui sont euh, qui ont des impacts positifs pour la société, et l'environnement mmh. C'est vrai que dans, dans le canton de Vaud, c'est peut-être euh, même si ça fait un moment qu'elle existe, quand même cette chambre, c'est peut-être un peu moins euh, connue. Euh, mais il y a, a d'autres cantons aussi euh, mmh. dans, dans lesquels ça s'est développé. Est-ce que Alors, tu, oui. exemple, tu es en contact, vous êtes en contact un petit peu euh, les uns avec les autres Ah oui, oui, on est même plus qu'en contact. Par exemple, donc il y a après Genève, qui est la chambre de l'ESS du canton de Genève, et après Béjune, qui est sur Berne, Jura et Neuchâtel. Donc, euh, les trois après, donc maintenant on forme vraiment un réseau, le réseau après en Suisse romande. On partage la même charte graphique, le même logo décliné par canton. Et euh, c'est vrai que je collabore beaucoup avec euh, après Genève. On fait, par exemple, on a signé une convention commune avec euh, Sense Suisse, qui est l'entrepreneuriat social euh, en Suisse alémanique, euh, qui a vocation aussi à devenir euh, une fêtière nationale. On a aussi des conventions de signer avec la FSE, la Fédération suisse des entreprises, pour porter une voix politique aussi un peu forte. Qui est toute récente. Qui est toute récente, oui. Hein, cette... ouais. ouais. Donc euh, on est vraiment dans un travail de collaboration pour défendre une, une vision de la société plus juste et écologique et pour qu'on puisse porter la voix de ces entreprises, de ces porteurs et porteuses de projets qui aujourd'hui peuvent ne pas se sentir représentés par les institutions qui existent. Et, et quel bilan est-ce que tu, tu tires de cette première année en tant que, que coordinatrice eh ben, un bilan positif euh, Alors personnellement c'est vrai que c'est un travail qui m'anime au quotidien enfin, je suis vraiment contente de me lever et puis de travailler pour la chambre c'est vraiment très agréable. Et puis c'est vrai qu'en un an un peu plus d'un an je vois la différence euh, vu que je suis la première employée, c'est vrai que le fait d'avoir un salarié dans une association, enfin que ce soit après ou une autre, ça change tout, ça permet de structurer l'association, donc c'est vrai que maintenant, bah, rien que les mails, je peux répondre régulièrement, je fais les adhésions, je rencontre les membres physiquement, et puis je vois aussi tout le potentiel qu'il y a de développement, euh, à la fois sur Lausanne, mais aussi par exemple sur Nyon, j'ai rencontré euh, le délégué à l'économie et la déléguée à la durabilité de la ville de Nyon pour voir comment on pouvait travailler ensemble, on a aussi des partenariats qui se développent. Donc, c'est vraiment une, une super année. Ouais. Plein de projets en cours, plein de chantiers ouverts. Donc, bon, euh, il faut du temps et, de les, et, et des ressources pour euh, les mener à bien. Mais euh, en tout cas, moi, je suis extrêmement motivée pour continuer ça. Oui, mmh. ouais, c'est vrai que tu es la, tu es la première coordinatrice. Hein. Enfin, il n'y avait pas d'employés avant de, de la Chambre, contrairement à Genève, où ils ont un bureau depuis, depuis pas mal de temps. Donc, euh... Ça, ça change la dynamique. Ouais. Moi, en tant que membre, je l'ai vu aussi, ah, hein, en tout cas, j'ai senti. <laughs> oui, oui. Puis, enfin, du coup, pour revenir, c'est vrai qu'après Genève, ils ont euh, une, plus d'une dizaine de salariés, ils ont des locaux. Et c'est très inspirant pour nous. Et puis, ce que je disais, c'est que hum, je vais souvent aussi travailler chez eux, dans leurs locaux, à l'espace. Et c'est très agréable. Je vois qu'on a les mêmes problématiques. Bon, on est à différents niveaux de développement, mais il euh, y a un soutien aussi de leur part pour Après-Vaux, mmh. qui, euh, qui est vraiment important et, et qui fait du bien aussi. On se sent euh, vraiment euh, épaulé par, euh, par Après-Genève pour mener à bien nos activités, tout en euh, bah, faisant aussi des activités propres pour le canton de Vaux, parce que le canton de Vaux, ce n'est pas le canton de Genève. Quoi. Dans les prochains mois, ou peut-être années, qu'est-ce qu'il y a comme. Euh comme projet, comme chantier, donc tu peux, Alors, tu peux euh, en juin, on fait le premier forum de l'économie sociale et solidaire. Donc nous sommes en 2023. Oui, on hein, est en euh, 2023. Voilà. <laughs> donc en juin 2023, il y a le premier forum de l'ESS qu'on va faire en festival de le festival Objectif Terre. Donc mmh. le 9, 10, 11 juin. Donc on sera vraiment au milieu du festival et l'objectif sur ces trois jours, c'est bah, de sensibiliser à l'économie sociale et solidaire, montrer nos valeurs, nos principes. Montrer la diversité des secteurs d'activité et des structures juridiques qui composent le SS. Euh, faire des ateliers aussi, par exemple, sur euh, la gouvernance partagée, des témoignages sur la lucrativité limitée, qu'est-ce que ça implique vraiment pour une entreprise. Donc ça, c'est vraiment un gros, un gros événement qui nous tient à cœur. Euh, ensuite, on a aussi bah, le revenu de transition écologique euh, qui... Peut-être sera validé par le canton de Vaud, mais en tout cas on a participé euh, au, au groupe de travail. Et on va, on a demandé à pouvoir être aussi dans la boucle pour euh, pouvoir euh, bah, tester, faire le projet pilote. Mm -hmm. euh, donc ça, ça serait vraiment vraiment chouette. Puis voilà, le revenu de transition écologique, c'est vrai que c'est euh, bah, un signal assez fort du canton qui s'engage euh, quand même dans euh, la transition écologique et sociale. Donc euh, pour atteindre euh, notamment les objectifs du plan climat. Donc, c'est vraiment chouette et important pour nous de pouvoir y participer aussi. Euh, ensuite, bah, on aimerait bien proposer des prestations. Donc, on est en train de réfléchir à construire un accompagnement des entreprises qui veulent se tourner plus vers l'ESS, donc faire un état des lieux avec elles et puis pouvoir les accompagner dans la mise en place de mesures ESS. Pareil avec les communes. Donc, à Nyon, par exemple, ce qu'on a proposé, c'est de les faire un diagnostic territorial, par exemple des acteurs et actrices de l'ESS qu'il y a sur leur territoire pour ensuite euh, voir les besoins qui émergent de ces acteurs et actrices et proposer des solutions de mutualisation ou de création de nouveaux projets. Euh, et pourquoi pas avoir des permanences aussi euh, à Nyon, Lausanne, euh, qui sait, à Vevey, Verdon. Euh. Voilà, objectif de développement de la Chambre à travers ses prestations, le réseau aussi des nouveaux membres, euh, des locaux. Et puis les partenariats, on, on développe des partenariats bah, par exemple avec Impact Hub Lausanne, on est partenaire de leur programme économie circulaire, puis on aimerait bien faire des choses aussi ensemble, des événements, pour montrer les synergies qu'il y a entre l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire. Donc, on a aussi des projets avec après Genève, donc au niveau national, SENS Suisse, euh, FSE. On est aussi membre, par exemple, du réseau, du réseau euh, de promotion de l'économie sociale et solidaire au niveau européen, auquel on participe mmh. euh, au sein du comité. Donc, c'est vraiment intéressant aussi pour voir euh, bah, ce qui se fait dans les autres pays. Euh, parce que la France est certes bien placée en termes de SS, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'Espagne. Là, il y a des nouveaux membres en plus qui sont de l'Europe de l'Est, donc des Polonais, Polonaises, euh, Hongrois, Hongroises. Donc c'est aussi bien de, de confronter un peu les, les façons de faire de chaque réseau. Mmh. Donc voilà, continuer ces travaux-là de partenariat, collaboration. On est vraiment dans une dynamique de co-construction avec les acteurs existants pour porter une autre économie et créer un nouvel imaginaire collectif. Avec une société plus juste et plus durable et inclusive. Mmh. Beaucoup de chantiers. Ouais. <rire> <rire> et euh, c'est en lien. J'ai l'impression aussi avec euh, le fait que dans le canton de Vaud, bah, ça, ça bouge un petit peu plus en termes de, de durabilité. Enfin, vraiment au niveau cantonal. De, de, de euh, alors, on n'est peut-être pas au niveau de l'économie euh, conventionnelle, on va dire, mais. Euh, euh, Est-ce qu'il y a une prise de conscience politique, tu penses Alors, oui, je pense qu'il y a une prise de conscience politique qui commence euh, avec la durabilité. Il y avait pas mal d'appels à projets du canton pour promouvoir la durabilité et aussi l'économie circulaire. Et, et donc, oui, je pense que ça commence vraiment. Le canton, les institutions publiques et politiques commencent vraiment à se dire OK, il faut qu'on fasse quelque chose il faut qu'on qu qu développe et qu'on aide euh, les structures. Qui ont des euh, impacts environnementaux et sociaux à se développer. Donc, euh, ouais, ça bouge. Après, c'est sûr que, bon, on aimerait que ça bouge plus vite. Mais euh, on, on est conscient du temps euh, politique et puis aussi du temps de construction euh, des projets, des collaborations, etc. <laughs> on a d'autres exemples, par exemple en France, justement, euh, et à Genève, euh, et par rapport à, au canton de Vaud, il y a quand même un, un, un décalage. Euh... Avec voilà des choses qui se font peut-être depuis plus longtemps, avec plus de moyens. Euh, quel, est, quel est ton regard là-dessus Par rapport à la France, euh, c'est sûr que bon, en France, a à la loi de l'ESS. Enfin, l'ESS est inscrite dans la loi euh, de mmh. 2014, donc qui institutionnalise vraiment bah, les principes de gouvernance partagée, l'ucrativité limitée et des entreprises à mission. Il y a un statut spécifique aussi pour euh, les entreprises de l'ESS. Ce qui nous manque en Suisse et ce qui nous permettrait vraiment de pouvoir euh, bah, promouvoir euh, ce genre d'entreprise, cette économie, cette nouvelle économie. Et c'est vrai qu'en France, les réseaux aussi de l'ESS sont beaucoup plus structurés, mais parce que institutionnalisés. Il y a par exemple une chambre, il y a ESS France qui est la chambre nationale, qui a, et il a, ensuite il y a les chambres régionales de l'ESS euh, par région. Les acteurs sont beaucoup plus écoutés euh, par les, les institutions politiques en France. Ensuite, sur le canton de Genève, alors oui, effectivement, c'est sûr que le canton de Genève a l'air. Euh, d'être beaucoup plus impliqués dans le SS et la durabilité que dans le canton de Vaud, notamment ce que je vois par rapport à après Genève, les liens qui entre après Genève et le canton de Genève. Après, voilà, après Genève existe depuis plus longtemps, ils ont aussi eu plus de salariés, donc c'est des relations aussi qui se construisent sur du long terme. Enfin, voilà, il faut mettre de la confiance. Donc nous, c'est bien évidemment notre objectif, mais on sait que ça va prendre du temps. Donc euh, voilà, c'est des exemples aussi qui sont euh, inspirants pour nous. Est-ce qu'il y a des, des synergies euh, transfrontalières, par exemple, qui, qui existent ou qui, qui peuvent te mettre en place Concrètement, il y a les projets interreg, donc interrégions européens entre France et Suisse, qui peuvent permettre de faire des projets collaboratifs, co-construits entre la France et la Suisse. Je sais que du coup, il y en avait eu un, alors avant que j'arrive à Prévost, entre à Prévost et la chambre de l'OSS de Bourgogne-Franche-Comté, et après Genève, euh, donc il y a ce genre de programme qui existe. C'est vrai que cette semaine, j'ai essayé de prendre contact avec euh, les chambres régionales de l'Auvergne-Rhône-Alpes et puis bah, Bourgogne-Franche-Comté pour euh, bah, voilà, justement voir avec elles ce qu'elles font, quels projets elles, elles mettent en place, comment elles accompagnent leurs membres. Et puis en France, c'est vrai qu'au mois de novembre, il y a le mois de l'ESS, mmh. et puis voir si... Bah, Peut-être faire un événement à ce moment-là aussi avec leur soutien ou s'inspirer de ce qu'ils font pourrait être intéressant pour nous euh, sur le canton de Vaud et puis aussi à, bah, embarquer après Genève s'ils ont les forces et si ça les intéresse. Mais je ne leur en ai pas parlé encore. Donc. <rire> <rire> on verra si cette, voilà. <laughs> si cette vidéo sort avant que tu leur en parles, euh, ils seront au courant. C'est ça. <laughs> euh, quelles seraient des, pour toi des, des sources d'inspiration euh, ailleurs dans le monde pour, euh, pour la chambre par exemple alors, euh, bah, du coup, je vais prendre l'exemple français parce que c'est celui que je connais le mieux. Et c'est ce que je disais, c'est vraiment, en fait, il y a à plusieurs niveaux l'inspiration de comment les chambres de l'ESS et, et l'ESS en tant que, que secteur, en tant vraiment que, ouais, que secteur d'activité, de nouvelles économies et écoutées par les institutions politiques. Par exemple, là, il va y avoir la révision de la loi de 2014, de la loi de l'ESS, et tous les acteurs de l'ESS, donc les chambres de l'ESS, sont appelés à se positionner sur la loi et à dire ce qui allait, ce qui allait pas. Et donc, ça, c'est très inspirant pour notre rôle en tant que chambre. On a un rôle politique aussi euh, pour diffuser nos valeurs, pour avoir des nouveaux statuts. Et, et donc, ça, c'est inspirant. Ensuite, plus concrètement, il y a bah, par exemple aussi. Tout ce qui est le développement de tiers-lieux, comme l'espace après Genève, c'est beaucoup développé aussi en France, avec des aides de l'État. Et c'est vrai que les tiers-lieux, c'est vraiment quelque chose, je pense, d'assez intéressant pour promouvoir l'économie qu'on souhaite promouvoir. Est-ce qu'on peut. Une petite définition d'un tiers-lieu. Alors, un tiers-lieu, c'est un, <laughs> un espace où, en gros, le, les activités professionnelles se mélangent aussi à des activités conviviales. On peut cuisiner, on peut faire à la fois des âgés, puis en même temps aussi se retrouver boire un café faire des, du réseautage, mais aussi euh, passer un, juste un moment entre amis. Et l'idée, c'est que ce soit un ouvert, un, pardon, un lieu qui est, dont les activités sont proposées et construites avec les utilisateurs du lieu. Euh, donc c'est vraiment cette idée aussi de co-construction, de concertation. Qu'est-ce qu'on veut faire d'un lieu Par exemple, il va y avoir la Miss à Nyon, donc la Maison des Innovations Sociales. Et j'ai plus le deuxième S. Euh, mais qui va être construite et qui a vocation d'être un tiers lieu dans le sens où, bah voilà, j'ai participé à trois euh, groupes de travail et l'objectif, c'était collectivement avec les différents acteurs. Donc moi, je représentais l'ESS, mais il y avait aussi des architectes, il y avait aussi des citoyens de Nyon, des citoyennes et d'autres acteurs d'autres secteurs économiques. Et l'objectif, c'était de co-construire le lieu. Qu'est-ce qu'on veut y voir Comment on veut que le lieu y soit euh, créé, construit, parce qu'il n'est pas encore construit euh, Comment on veut qu'il soit gouverné euh, qui va participer aux décisions, comment, qui va accueillir. Donc c'est vraiment cette idée-là, le tiers lieu, c'est un lieu qui est à disposition de tout le monde pour des activités professionnelles, mais aussi pour des mo moments conviviaux, pour euh, des moments aussi pédagogiques, plein d'autres choses. Donc ça, ça fait partie des inspirations. Oui, ça fait partie des inspirations. D'autres inspirations auxquelles tu penserais Il y a plein de choses qui sont euh, inspirantes, c'est vrai que... Bah, faire, faire les événements, c'est vrai que les événements, euh, quand je vois, j'essaye de regarder un peu ce qui se fait en France, euh, ou par exemple en, à Barcelone, là il y avait, euh, euh, alors je ne sais plus le nom du mouvement, mais le RIPES participait, donc le réseau de promotion européen participait par exemple à une semaine de formation sur l'enjeu de la finance durable et responsable pour les jeunes. À donc voilà, faire aussi des, mmh. des, des choses pour les jeunes. Mais il ne faut pas oublier non plus, par exemple... Euh, l'importance de l'intergénérationnel, donc aussi comment le lien entre euh, bah, les seniors et puis les jeunes, ça c'est vraiment aussi quelque chose d'inspirant, et la cohésion sociale. Je pense qu'aussi euh, là, ce qui se fait, c'est beaucoup environnement, durabilité, mais il ne faut pas qu'on oublie la cohésion sociale et la justice sociale derrière, sinon je pense qu'on n'arrivera pas à embarquer tout le monde dans le mouvement. Et, et toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là sont inspirantes. Un ou deux exemples aussi inspirants, je ne sais pas si, si ça recoupe ça ou pour, plus précisément pour les membres de, de, de la Chambre. Est-ce que tu as des choses plus précises euh, Des exemples de membres Non, des exemples d'inspiration qui pourraient être inspirants pour, pour les membres. Là, La première chose qui me vient à l'esprit. Ben, ouais, un projet que tu as vu, que tu trouves ah, trop des bien. Projets. Ou, ou, ou une entreprise incroyable. Non, alors, enfin. Pour moi, -ce je ne sais pas si ça va répondre à la question, mais -ce que je, idéalement, pour moi, les membres. Leur réflexe, quand ils ont besoin de quelque chose, ça serait d'aller voir les autres membres du réseau. Et tu vois, vraiment construire un, un vrai réseau où on s'entraide, on fait appel à l'un et à l'autre pour bah, acheter des fournitures, pour faire des événements, pour euh, construire des projets ensemble ou faire appel à l'autre sur ses compétences, des avocats, des comptables par exemple. En parlant de comptabilité, il y a tout, tout ce qui est comptabilité CO2, donc par exemple de mettre en place sur des factures, euh, pas uniquement à la comptabilité France-Suisse, mais aussi ce que ça coûte en termes de CO2. Mmh. Ça, c'est un projet qui est, euh, qui est super intéressant et inspirant euh, à mettre en place. Qui, qui existe déjà Alors enfin, qui est en train qui... de se mettre en place. En tout cas, je sais qu'en Suisse, euh, sur le canton de Vaud, bon, on a quelques-uns de nos membres qui sont en train de travailler à ça. Donc ça déjà, je pense que c'est super inspirant et puis ça peut vraiment changer, je pense, la façon de penser, la façon de... De produire et d'échanger. Et si on voit sur la facture qu'il y a aussi euh, le coût en, fait, en CO2 de ce qu'on fait, peut-être que les gens vont plus prendre en compte euh, leur impact. Après, alors, s'il y a un autre exemple que j'avais vu, je crois, en Pologne, c'était euh, un lieu, en fait, une maison de retraite qui était coworking aussi, qui faisait coworking ouais. avec du coup les jeunes qui venaient. Et je sais mmh. que ça existe en France, ça existe ailleurs. Et ça, je l'ai trouvé vraiment inspirant. Justement, pour permettre aux, aux personnes âgées bah, d'avoir du lien social, d'être toujours au contact de la vie, de ce qui se passe. Et en même temps, les jeunes aussi, bah, de pouvoir partager, de pouvoir poser des questions aussi à des personnes plus âgées. Vraiment, la, la cohésion sociale de ce lieu était vraiment intéressante. Mmh. Ah ouais, C'est la première fois que j'entends ouais. ça. <laughs> intéressant. Euh, OK, on va arriver au dernier élément euh, de, de, de cette émission. Mais je, juste savoir si avant ça, tu voulais. Euh, rajouter quelque chose ou parler de quelque chose euh, euh, oublié ou... bah, Venez nous rencontrer euh, à nos événements et puis encore merci pour euh, cette interview. Il y a, il y a, dans les événements, alors je rebondis là-dessus, dans les événements, vous organisez, enfin euh, ce qui vient le plus régulièrement, c'est les, les midis de l'ESS Alors on a arrêté les midis de l'ESS. Okay. Euh, on a fait une nouvelle formule d'événement là depuis septembre. Donc on fait euh, régulièrement, une fois tous les deux mois, des ateliers avec des thèmes spécifiques. Par exemple en septembre, on a parlé de la finance responsable, donc avec élément' Nest, euh, la Banque Alternative Suisse. Au mois de novembre ou octobre, on avait fait la communication. La com. voilà, com bah, euh, voilà. participé, mais j'étais malade. Voilà. Malheureusement. Et puis là, bah, le 20 février, on fait sur l'inclusivité. Donc comment mettre en place des mesures d inclusives dans son entreprise, qu'on soit au début de construction de projet ou qu'on ait déjà une entreprise bien installée. Donc on fait ça. Et ensuite, donc, on a remplacé les midis de l'ESS par des événements trimestriels qui s'appellent les trimestriels. Ou une fois par trimestre, bah voilà, on fait un apéro entre membres, mais qui est ouvert aussi aux autres, euh, aux autres personnes qui veulent nous rencontrer. Mmh. Ou moi, je présente un peu les dernières actualités de la chambre, ce qu'on a fait, les derniers projets en cours. Et où les membres ont aussi l'opportunité bah, de présenter leur activité. Les nouveaux membres aussi euh, sont mis en, en avant. Et puis après, voilà, on boit un coup entre nous, histoire de discuter, et puis créer des collaborations. Okay. Et le forum de l'ESS euh, au mois de juin. Très bien. La date exacte où 9, 10, 11 juin. Ok, très bien. À Lausanne. On notera. <laughs> Alors, j'en viens à la, la question euh, finale et centrale. On va dire. Euh, qui est-ce que tu aimerais voir invité dans la, le prochain épisode du FIB Alors, c'était un choix euh, difficile parce qu'il y avait plein de gens que, euh, auxquels j'ai pensé. Mais du coup, mon choix s'est arrêté sur Héloïse Crisinelle, qui est la coprésidente de la Soliderie à Nyon. Okay. Donc, euh, la Soliderie, c'est un projet de. Café et Épicerie Solidaire, qui sont en train de construire. Euh, et pourquoi j'ai fait ce choix-là bah Déjà parce que euh, le projet voilà met vraiment en avant la cohésion sociale et l'idée qu'il faut faire du lien social. Et aussi, euh, les, le projet d'Épicerie Solidaire permet de mettre à disposition des produits de qualité aux personnes qui ne peuvent pas forcément les acheter. Et parce que euh, Héloïse, je l'ai trouvé aussi très engagée euh, bah, pour les causes féministes, et pour la cohésion, et encore pour la cohésion sociale, et du coup je trouvais ça intéressant de euh, mettre ça en lumière aussi pour un prochaine euh, interview. Ok. Voilà. Alors, <laughs> Héloïse Crisinel, euh, si tu voilà. nous <rire> <rire> regardes, euh, tu as été désignée comme la prochaine invitée, donc euh, on va te contacter, euh, et puis bah, on espère que ça, ça sera ok pour toi et qu'on pourra te rencontrer pour euh, la prochaine émission. Merci Constance, merci à vous de nous avoir suivis. Euh, N'hésitez pas à faire euh, des commentaires euh, sur euh, tous les réseaux sur lesquels ce sera diffusé. A bientôt